Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live et Télévision. Lundi 26 décembre 2022, espoir, Mouinouka, bonjour et bonne arrivée. Bonjour messieurs les journalistes, bon début de la semaine à tous nos téléspectateurs. Bonjour à mes collègues militants, activistes et bonjour à tous ceux-là qui se battent pour la paix chez nous et l'intégrité du territoire national. Joyeux Noël à vous. Pour les chrétiens, joyeux Noël, et nous, Africains, continuons toujours à observer. Est-ce que, ouais, nous devons célébrer, puisque c'est une journée purement chrétienne, cher ami. D'accord. Je rappelle que vous êtes un activiste des droits humains, militant du mouvement citoyen, lutteur de ces Africains. Est-ce pas nous allons regarder cette vidéo qui circule sur la toile depuis, en tout cas... En fait, on a vu la vidéo que tu as regardée également. Nous retenons quoi de cette vidéo? Oh, ça fait mal, puisque si on peut bien voir, si on peut dire leur tenue qu'ils portent, leur gilet pare-balles, un général rwandais qui était juste à côté, et le colonel de l'23 dont j'oublie son nom même puisque je... C'est le colonel Nzenze, John Imani. John Imani. Oui. C'est qu'il y a quelque chose que nous, on a essayé d'encercler avec d'autres personnes, on a étudié la vidéo. Mm-hmm. On a vu que on a, ça nous a aidé à balayer tout ce qu'on avait comme doute. Est-ce que les M23 sont soutenus par les Rwandais? Et ça a été vu, ça a été prouvé. Ça peut être une coïncidence quand même. Non, c'est pas une coïncidence. Je l'ai toujours nié, c'est pas une coïncidence. C'était bien préparé. Lorsque un général porte tel gilet pare-balles et lorsqu'il porte même uniforme, son drapeau, même uniforme, même casque de combat, comment dire qu'il y a une coïncidence? Non, c'était bien préparé. Et d'ailleurs, ce sont les M23 qui ont préparé l'assise de Kibumba, vous voyez. Et pour confirmer l'hypocrisie, après ça, ils sont partis maintenant opérer pour couper la route Massissi et Goma, vous voyez. C'est qu'il n'y a rien de coïncidence, c'était quelque chose de bien préparé. Et malheureusement, nos autorités ne veulent pas comprendre. Mais nous, nous ne sommes pas des prophètes. Non, nous ne sommes pas des prophètes. Tout ce qu'on disait, après avoir dit ça, maintenant, nous l'avions vécu. Vous voyez, nous l'avions vécu. Puisque... Nous, on le disait, ces gens, ils ne sont pas venus pour la paix. Et ceux là qui ont vu sur notre tweet, on avait dit, c'est piéger l'armée congolaise. Or, lorsqu'on parle de l'armée là, congolaise... Là, vous voulez parler de l'EAC? Mais oui. Mais ces gens ne sont pas avec venus... Avec la force régionale. Ils ne sont pas venus pour la paix. Ce sont des aventuriers. C'est la MONUSCO déguisée. Et nous, on est là, ils nous trompent, nous sommes pour vous, ils ne sont pas pour nous. Ils ne sont pas pour nous. Nous devons nous prendre en charge et comme je le dis chaque jour, cette guerre doit être une guerre populaire. Et les petits politiciens, les politicards doivent être à côté et laisser la population faire son travail de défendre l'intégrité du territoire national. Mais parlons de ces uniformes, on voit l'uniforme porté par cette rébellion aussi, celle de l'armée rwandaise, l'RDF. Vous savez que quand même, les rebelles portent presque toutes les uniformes, toutes les tenues du monde. C'est comme on peut voir le M23 qui porte même l'uniforme de l'armée congolaise, de l'armée ougandaise, de l'armée, je ne sais pas, kenyane. C'est tout à fait normal qu'on voit les rebelles du M23 porter l'uniforme de l'armée rwandaise. Non, cela ne le dédouane pas. Oh. Dans le sens où, mais dis-moi,
Est-ce que à Rutshuru il y a un aérodrome? Non. Est-ce qu'à Rutshuru il y a l'aéroport? Non. Alors, nous chez nous, nous savons officiellement l'entrée de la RDC à travers le Rwanda s'est fermée. Non, à travers Bunagana s'est fermée. C'est que l'unique couloir qui reste, c'est Kibumba et le Rwanda. Vous voyez? Et l'unique couloir aussi qui reste, c'est du côté Burayi dans le Rutshuru et le Rwanda. Vous voyez? Alors, c'est que tout ce qui quitte à l'extérieur doit passer par le Rwanda pour venir ici chez nous. Et comme Dieu ne sommeille pas, vous avez vu, un général rwandais, il est venu en portant ses galons comme général et leur uniforme, puisque ce sont les mêmes personnes. Ce sont les mêmes. L'RDF et les M23 ne font qu'une seule personne. Oh. Et comme Dieu ne sommeille pas, comme je l'ai dit, c'était confirmé. C'était confirmé. Et moi je m'étonne, certains Congolais qui se réveillent le matin et dire que non, vous voyez, nous devons bien cohabiter. Non, non. Et c'est pourquoi nous, on réclame qu'il y ait fermeture totale de notre frontière et la frontière rwandaise. C'est qu'on ferme ici, à Goma, comme on a fermé à Bunagana, qu'on ferme partout ailleurs. Pour que nous puissions vivre chez nous, qu'eux vivent chez eux. Que l'EAC, soit ils décident d'être en guerre contre les M23, leurs partenaires, ou bien ils seront en guerre contre la population congolaise. Point barre. Puisque nous sommes fatigués d'être dupés, messieurs les journalistes. D'accord. La situation s'aggrave. Les M23 désengagés de Kibumba au lieu de regagner leur position initiale de Sabino prennent en tout cas une autre direction pour renforcer les positions de Tongo, de Kishishi et de Bambo, avec l'intention manifeste en tout cas d'occuper Masisi. Ça, c'est l'armée congolaise qui dénonce et qui alerte. On a suivi la déclaration du général Sylvain Ekenge, porte-parole de FARDC, qui ajoute en tout cas que le désengagement annoncé par la M23 avec pompe, aidé par l'armée rwandaise, éteint l'air et une simple opération de publicité pour distraire les Congolais et la communauté internationale. Le général Ekenge. Mais quelquefois, moi, je me dis, on ne peut pas s'arrêter aussi à dénoncer. À dénoncer. À moins encore, c'est l'armée qui dénonce. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. L'armée doit être au service de la nation. Si ils ont constaté, comme on l'a constaté, nous la population, que les M23 sont des vrais traîtres et des vrais jokers, ils vous trompent le matin, puisque c'est leur habitude. Vous savez comment est-ce que les Rwandais opèrent. Et le matin, vous êtes avec ces mêmes tables, et le soir, ils vont vous poignarder par les dos. Comme on a compris ça, nous la population et l'armée, mais nous devons agir. C'est que l'armée doit agir. On ne peut pas s'arrêter à des dénonciations, c'est nous. C'est notre devoir de dénoncer, mais pas le devoir de l'armée de dénoncer. Mais qu'ils prennent des décisions. Nous sommes derrière eux. Est-ce qu'on a des moyens pour réagir? Non, mais nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons les hommes. Nous avons des munitions. Et on a le courage. Qu'est-ce que vous voulez que nous ayons encore? Où sont ces hommes? Mais moi, je suis présent. D'autres sont présents. Mais tu n'es pas dans l'armée. Mais quoi que je ne suis pas dans l'armée. Ce que nous voulons, nous, on a toujours demandé, on dit au chef de l'État, former la jeunesse sur le plan militaire, que nous soyons formés. Et puis, si nous, on était formés sur le plan militaire, comprenez que ces aventuriers, ils ne devraient plus être là. Je vous dis, ils ne devraient plus être là. Mais comme il y a certaines personnes qui sont à la merci du Rwanda, et qui travaillent pour le Rwanda, mais avec qui nous vivons, on les trompe, vous savez, si on prend Goma, Masisi, on va faire comme ça, non. Que les gens se détrompent. Nous allons nous battre pour ce pays. Et si ce n'est pas moi, c'est d'autres personnes qui vont se battre pour ce pays. Mais ceux-là qui pensent qu'un bon jour, ils peuvent contourner, passer à gauche, à droite, ils doivent oublier ça. Ils doivent oublier ça. Nous allons fêter dans la paix. On va finir cette période de festivité dans la paix. Et nous allons continuer notre chemin, nous allons continuer notre combat jusqu'à ce que le tout dernier va se retirer sur le sol congolais. Si l'armée va continuer à dénoncer, continuez.
mais nous n'allons pas baisser garde. C'est notre pays. À part se battre au Congo, nous n'irons jamais nous battre au Rwanda, ni en Ouganda, ni partout ailleurs. C'est toujours ici. C'est que nous devons tout faire, tout mettre en place pour que les Congos puissent recouvrer la paix comme il faut. On ne peut plus compter sur nos politiciens, et quelquefois aussi l'armée cherche à nous décevoir. Lorsque l'armée se met à dénoncer, ça c'est une déception aussi. Mais si elle n'a pas de moyens, ils ont tout ce qu'il faut, cher ami. Ils ont tout ce qu'il faut. C'est comme l'état des sièges quand ils sont venus. Qu'est-ce qu'on ne leur avait pas donné? Ils avaient tout, des millions et des millions d'argent. Mais c'est dilapidé, c'est dissimulé. Et c'est comme ça aussi dans l'armée. Lorsque l'argent est débloqué. Ça, c'est pour le prime des militaires. Un général va détourner. Quelqu'un qui s'appelle porte-parole le matin, il va se réveiller. Il va dire non, il va dénoncer non. Vous devez mettre les moyens qu'on vous a dotés pour la guerre, au service de la guerre. Mais les M23 aussi sont forts, attention. Ils ne sont, non, je vous dis, il n'y a que des 3, 4 ou 5 voyous manipulés par les Rwandais. Oh. Je vous dis, il n'y a que 3, 4 ou 5 voyous manipulés par les Rwandais. Il n'y a rien d'en fort. Ils sont bien vêtus. Vous avez vu des images capturées par les satellites qui ont montré comment est-ce que l'armée rwandaise traversait pour venir ici. Ils sont forts. Vous voyez? Non, c'est l'armée rwandaise. Il n'y a rien d'un 23. Je vous dis, dans l'un 23, il n'y a que 2 ou 4 petits voyous. Vous voyez souvent les déclarations ailleurs, du major Willingo Makaïta. Il n'est pas, je vous dis chaque jour, Willingo n'est pas un major. Oh. C'est un terroriste. C'est major quand même. Formé où? Au Rwanda peut-être. Mais oui, au Rwanda ou bien dans notre parc de Virunga ici, comme c'est un garde-parc, c'est un partenaire de M. Demerode, puisque moi je crois... encore. Oui, ils sont des partenaires. Ah. Qui voit Demerode voit les M23, ils sont les mêmes. Oh. C'est lui le grand fournisseur du carburant. C'est lui. Bon, s'il vous plaît, en fait, là, j'ai parlé des déclarations du major Willy Ngoma. Il y a trop d'histoire. Non, Willy, je connais Sam Scopat. Et lorsque la paix va revenir chez nous, je crois que ici, l'hôpital CBK, là, il y a notre santé mentale. Je crois qu'il doit être interné là-bas. Pour qu'il en tant que Congolais ou bien? Non, pas comme un Congolais. Mais c'est un Congolais, oui. Non, quelqu'un qui doit suivre les soins et puis il doit être répatrié chez lui. Il n'est pas Congolais. Un Congolais ne peut pas accepter, je vous dis chaque jour, cher ami, un Congolais ne peut pas accepter de faire vivre ce que nous vivons aujourd'hui, ses compatriotes. Mais non, c'est comme moi me dire aujourd'hui, Espoir, vous êtes parti et vous êtes devenu un M23, un Maï, un Kino. Ça, c'est une trahison. Et puis, faire vivre le calvaire qui fait vivre nos compatriotes à Kanyaruchinya. Et puis, vous allez dire que c'est un Congolais. Non, il n'est pas Congolais. Il n'est pas Congolais. Un Congolais, tout celui qui accepte de travailler pour l'intérêt de la population congolaise. C'est comme je vis ce psychopathe, ce vidéolique qui... S'il vous plaît. Non, attends, moi, ça m'énerve. Hein. Quand je vois quelqu'un dire, les M23, ils sont des Congolais, les M23, ils se battent pour... Ah bon? Ici chez nous. Qui a dit ça? M. Scopat, j'oublie son nom. Je crois qu'il est à Kinshasa. Il s'appelle comment? Je ne vais même pas citer son nom. On va y revenir, je crois. Mm-hmm. Mais je crois que. Mais s'il a dit la vérité? Quelle vérité? De dire qu'il est congolais. Non, les M23 disent que leur mouvement, c'est vraiment congolais. Non, ce n'est pas un mouvement congolais. À moins que les faux politiciens puissent y entrer, à moins que les petits politiciens, les politicards puissent y entrer, pour dire que non, ce n'est pas un mouvement congolais. Lorsqu'on parle de l'M23, c'est le petit-fils de l'RCD, c'est le cadet du CNDP. Vous voyez, RCD est un mouvement congolais? Non. CNDP est un mouvement congolais? Non. M23, même chose. C'est que nous devons être logiques dans nos choses et nous devons être sérieux dans ce que nous voulons faire. Si nous voulons la paix, on doit se battre. Pas question de cesser le feu, pas question de nous tromper, des hommes tampons déguisés. Non, nous devons être clairs, chers amis. Et tout Congolais doit s'approprier ce combat. C'est une guerre purement populaire et une guerre que tout celui qui s'appelle Congolais, constitué de son esprit patriotique, doit s'approprier. Mais... Partout où vous êtes, partout où vous soyez, vous devez comprendre que votre pays est en danger, votre pays est sous menace. Et vous devez vous soulever, vous devez vous mettre debout pour combattre l'ennemi. L'ennemi aujourd'hui, comme je l'ai dit la fois dernière, c'est comparé à l'amibe. Lorsque la température change, il change aussi la zone. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'ils sont en train de nous faire croire. Voilà, nous ne voulons pas Goma, nous allons rester, nous allons revenir là où...
le psychopathe Willy craignait d'aller à Sabignon, c'est ce qu'il avait dit. Tout à l'heure, vous devez rentrer là où vous étiez. Là, vous étiez où? Là où vous étiez à Sabignon, chez monsieur le propriétaire de la colline là, je peux même les citer. À Chanzo Runyonyi. À Chanzo Runyonyi, puis passer au Rwanda. Ça. Vous voyez? Ils ont tenté de récupérer Masisi, puisque c'est leur pari. Et ils pensent que nous devons récupérer Masisi. Mais ils ont vu les jeunes, ils ont raconté l'armée et ils ont senti. Et s'ils osent encore retenter partir à Masisi, ils vont toujours raconter que là, il y a les hommes. Nous ne sommes pas des bichouchous comme nous étions des bichouchous. Nous sommes des gens qui se battent. Mais au-delà de ça, on a l'impression que les Congolais pleurnichent vite. À chaque fois, souvent, c'est toujours quand on vous donne les micros, vous ne cessez de parler d'une guerre populaire. Mais cette guerre populaire qui peine à arriver, pendant que M23 gagne toujours des terres. Non, vous savez, je vais encore revenir un peu en arrière. Quand on parle d'une guerre populaire, il n'y a rien de guerre tribalo-ethnique. La guerre populaire veut dire quoi? Elle veut dire que tout Congolais, partout où il est, doit tout faire pour barrer route à l'ennemi. Mais vous faites quoi pour c'est barrer ce route que à dire... cet ennemi là? Et vous, si pensez... vous, prendre Goma, et vous pensez que sans ces jeunes, ces terroristes ne pouvaient jamais être ici à Goma? Mais ils devraient déjà être ici. Mais ils ont vu que la population est bien préparée. S'ils osent arriver dans la ville, c'est qu'ils vont s'arrêter à la jeunesse. Ils vont voir la population sur leur chemin. Vous voyez? Et lorsque les gens disent que les Congolais ont du mal à s'approprier cette guerre, non, ce n'est pas tout Congolais. Ce sont les Congolais malveillants. Vous voyez? Ce sont les Congolais à double face. Mais les vrais Congolais, ils se battent toujours. Vous voyez, ils se battent toujours. Et on est là, on tient les coups. Nous n'allons pas lâcher. On continue notre mobilisation. Et nous sommes sûrs et certains que cette guerre, comme elle est populaire, la population s'en approprie du jour au jour. Alors, peut-être pour finir, espoir. Les Congolais ne cessent d'accuser, d'attaquer les Rwandais à travers le président Kagame. Aujourd'hui, si jamais vous étiez parmi les conseillers de Kagame, les conseils, vous allez lui donner jamais. Quel conseil? Moi, je ne peux jamais être conseiller de Kagame. Jamais. Si, bon voilà, admettons que je sois son conseiller. Oui, je lui dis, monsieur Paul Kagame, déposez calmement le pouvoir. Ah, donnez le pouvoir, laissez le pouvoir à quelqu'un d'autre. Donnez le pouvoir à quelqu'un d'autre pour qu'il y ait la paix dans la région des Grands Lacs. Une seule personne, une personne maudite, peut causer qu'à sec toute la région soit en ébullition comme ça. Et du coup, il est devenu l'homme fort de la région alors. Quand vous dites que c'est à cause de lui qu'il n'y a pas la paix. C'est à cause de lui puisqu'il a accepté d'être une marionnette. De qui? De ces fameux occidentaux, de ces fameux américains, ces fameux français, de l'OTAN en général. Non, la France, vous c'est voyez? Un pays ami. Non, c'est pas. C'est toujours leur carte d'hypocrisie. Nous traitons d'égal à égal. Non, c'est la carte de deux poids, deux mesures. Vous voyez? Et je crois que. D'ailleurs, Macron attendait à Kinshasa les jours à venir. Non, s'il arrive à Kinshasa, c'est que c'est maudire Kinshasa. Oh! Mais oui. Macron qui finance Kagame. Et puis il va venir chez nous. Moi, je crois que les Congolais ne peuvent pas accepter ça. Il aura un tapis. Hein? Bon, laissez ceux-là qui vont accepter. Mais nous, bon, il va être à Kinshasa, c'est pas Honor Kivu. Si c'était Honor Kivu, on pouvait les récupérer, les dire Macron, vous financez M. Kagame et partez chez Kagame, pas chez nous au Congo. Et c'est pourquoi nous disons à Félix Tshisekedi qu'il doit, être prudent. Il doit être prudent. Puisque la France, qu'il puisse poser la question à Lumumba. Il doit se rendre là où vivait Lumumba, sur la tombe de Lumumba, et demander à Lumumba comment est-ce que sont les Français. Ce sont des mauvaises personnes. Et puis il doit tirer conséquence, ce qu'ils avaient fait à Kigali. Vous voyez? En 94. Mais oui, ils ont financé les génocides, et puis ils ont dit à Kagame, on va faire de toi un homme fort. Ils ont fait de Kagame leur marionnette, et Kagame aujourd'hui, tout ce qu'il est en train de commettre. Vous voyez? C'est à cause de la France. Et puis si Tshisekedi se laisse tromper, parce que nous savons que Tshisekedi, c'est un partenaire de Paris Saint-Germain. Paris qui a un contrat avec les Rwandais, visite Rwanda. C'est que on est amis des grands financiers des génocidaires. Des génocidaires. Et puis on est là, et lorsqu'on dit ça, tout le monde va hiwer, tout le monde va critiquer. Nous devons prendre la conscience, comme je l'ai dit, chaque jour. La conscience nationale doit commencer sur tous les niveaux. Accepter à Macron de venir chez nous, oui, sur le plan diplomatique, c'est bon. Mais sur le plan stratégique, on est en train de nous dédaigner nous-mêmes. Merci,
Oui, nous, quand nous tendons vers la fin de cet entretien, la dernière question, quel message que vous avez envie de transmettre à nos forces armées de la RDC, bien que selon le M23, il faut préciser en tout cas le mouvement a lancé une mise en garde au gouvernement congolais, un interdit qui, à part la force régionale, en tout cas ces rebelles ne veulent pas voir un autre groupe à Kibumba. Excusez, les M23 qui mettent en garde un gouvernement. Tout un gouvernement. Des grands pays comme la RDC. Bon, ils savent à quoi ils jouent. Et ils savent, même si on dit ça, qui va nous traquer. Ils ont leurs partenaires dans le gouvernement, ils ont leurs amis, ils ont les députés que Kigali avait promis. Et ils ont, vous voyez, c'est un peu ça. Mais nous, comme la population, ça nous blesse. Et nous pensons qu'on met aussi en garde les 23. Mmh. S'ils sont des hommes qu'ils osent seulement arriver dans la ville, on les met aussi en garde. Vous voyez, comme ils se décident de mettre en garde le gouvernement, puisqu'ils savent que nous sommes en face d'un gouvernement qui doit nous dorloter. Mais attention, cher ami, vous êtes en face du gouvernement qui doit vous dorloter. Mais ce qu'il dit a montré quand même les biceps à M. Kagame. Et c'est la première fois dans l'histoire, comme je l'ai dit, après que M. Habyarimana a été pardon, abattu par Kagame, Pierre Buyoya et M. Mobutu. Mm-hmm. Aujourd'hui, ils sont dans les laisser-faire. Nous devons faire ça. Nous devons mettre en garde le gouvernement puisque nous sommes les mains et les yeux et les oreilles de la communauté internationale. Nous sommes intouchables. Mm-hmm. Nous les mettons en garde comme les souverains primaires. Nous sommes la population. Quoi que nos autorités soient incompétentes, mais ce sont nos autorités. Mm-hmm. C'est pas aux M23 de les mettre en garde. C'est à nous de les mettre en garde, vous voyez. Et ça doit révolter tout Congolais constitué de son esprit patriotique. D'accord, qu'il soit le chef de l'État doit révolter ses conseils inutiles, nos députés qui somnolent, nos sénateurs inutiles. Inutile, mais tous nous devons être révoltés. Merci. Et comprendre que nous devons défendre l'intégrité du territoire national. C'est pourquoi nous on dit aux députés, acceptez de vous sacrifier. D'accord. On finit par cette réaction de M. Alexis Makabuza, lui qui dit, je cite, toute politique qui vise à diviser les Banyarwanda créera les désastres dans cette région. Mais toute politique en RDC comme au Rwanda qui tentera à unifier ces peuples amènera la paix. C'est clair. C'est Alexis Makabuza. Qui est Alexis? Dusenga, c'est un pétrolier et notable du Nord Kivu. Qui est Alexis Makabuza? Je vous dis, c'est un pétrolier, c'est un homme économique fort du Nord Kivu à Goma. Bon. Pas modé, c'est Alexis Makabuza. Je ne sais pas s'il est fort en quoi. Non, mais... C'est un pétrolier. Hein. Bon. Mais cher ami, vendre du pétrole ne fait pas d'être un homme fort. Un homme fort n'est pas... Je vous rappelle, il s'appelle Alexis Makabuza. Moi, Dusenga. Je m'en fous. Dusenga. Je m'en fous de lui, qui qu'il soit. Comment vous commentez ces propos? Tous ceux qui tentent de diviser les Banyarwanda, oui, il peut avoir raison. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est la paix, point barre. Mais les M23, quand on parle de Banyarwanda, ça c'est vouloir aussi créer l'amalgame, vous voyez. Puisqu'il y a les Rwandais qui sont contre Kagame, mais ils sont Rwandais. Et qui ne veulent pas de la politique de M. Kagame. C'est quand on dit les Banyarwanda, c'est qu'on veut mêler tout le monde dans leur bataille. Et on les met en garde aussi, il doit corriger aussi sa langue. Nous sommes en guerre contre le pouvoir de M. Kagame et le pouvoir divisionniste avec ses pensées qu'un bonjour, nous pouvons récupérer une partie de l'Est du Congo. Ça, jamais. Et certains, c'est pourquoi moi je l'ai dit, il y a certains opérateurs économiques qui travaillent pour l'intérêt du Rwanda. Et le gouvernement est là. Ils disent, bon, c'est maximiser les recettes, hein, c'est ça leur philosophie. Ils sont toujours là. Et lorsque nous sommes avec des ergumènes, on doit toujours cohabiter avec. Mais nous, nous sommes là et nous allons défendre le Congo à tout prix. S'il fallait y laisser la peau va y rester. Mais le Congo, dans ses annales, saura que telle génération, à telle époque, ils avaient fait telle ou telle autre chose. Mais quant à la question de M. Alexis, de dire que c'est lui qui veut diviser les Banyarwanda, bon, s'il est Rwandais, je ne sais pas. C'est un Congolais. Bon, je ne sais pas comment un Congolais, les questions rwandaises peuvent lui occuper. Vous voyez, c'est pourquoi je l'ai dit, si tu es Congolais, tu es Congolais. Tu es Rwandais, tu es Rwandais. Et demander les visas pour vivre ici. Vous voyez. Alors,
moi personnellement, des questions rwandaises ne peuvent pas me concerner. Non. Est-ce que vous êtes congolais? Si, c'est pour la question liée à la paix dans la région des Grands Lacs, moi, là, je peux être concerné. Mais lorsqu'on dit diviser le Banyarwanda, c'est que ça se crée aussi l'amalgame. Parce qu'il y a des Rwandais qui ont fui le Rwanda, vous voyez. D'accord. Et lorsque lui veut parler des questions rwandaises, qui est-il? Bon, je ne sais pas, je crois que on doit y revenir. Non, je ne suis pas la personne habilitée pour parler de telle ou telle autre nationalité. Vous voyez. Merci Mouinoka. Alors, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci d'avoir été là ce matin. Ouais, merci aussi pour l'invitation. C'est qui parle les coordonnées. Ouais, nous sommes sur le plus 243-9-92-42-08. Si vous êtes pour le Congo, vous devez défendre le Congo. Et si vous êtes pour l'étranger, allez-y vivre à l'étranger. Merci. Et défendez l'étranger. Mais la paix, comme je l'ai dit, la paix doit être imposée. Merci. Dans la région des Grands Lacs en général. Merci beaucoup. Pas seulement au Congo, dont nous avons les besoins de la paix, mais la paix, c'est dans la région des Grands Lacs. Et la région des Grands Lacs, si cette région existe, c'est puisque le Congo existe. Je rappelle que vous êtes militant de la Lucha. Lucha RDC Afrique, Lucha. Lucha RDC Afrique. Quelle aile? Elle, chez nous, il n'y a pas de elle, il n'y a pas de elle. Nous sommes la Lucha RDC Afrique. Des Congolais, des Occidentaux. Non, des... nous sommes purement Congolais. Oh. Nous sommes Africains. Des jeunes anti-Kabila à l'époque. Nous n'étions jamais, nous ne serons jamais anti-Kabila. On avait dit à Kabila, tu es hors la loi, tu dois partir. Est-ce que dire à quelqu'un que tu es hors la loi, tu dois partir, c'est être contre lui? Non, c'est vouloir l'aider à l'amener à la raison. Merci. Vous voyez? C'est ce que les gens oublient, de dire que nous étions une jeunesse contre Kabila. Non, nous étions une jeunesse qui voudrait mettre Kabila à la voie normale. Et c'est ce qu'on avait fait. Vous aviez réussi. Mais oui, on a réussi. Sans manipulation, bon. Oh. Mais oui. Sa manipulation. Quand moi je me réveille le matin, je pars dans la rue, c'est à mon propre gré. C'est pas puisque un petit Français, un petit Américain, un petit Anglais a dit non. Ah, c'est ces gens-là qui finançaient, c'est ça? Qui finance quoi? Non, je pose la question, vous citez non, ça. Ah, non, d'accord. Lorsque les gens disent que la lucha, c'est manipulé, non, nous sommes nous et nous décidons sur notre destin et d'accord. Sur notre avenir. Merci beaucoup, il reviendra prochainement. Merci beaucoup d'avoir été là, on fixe un rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye bye.